l'église fait mémoire aujourd'hui de Louis de Gonzague. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. La messe est offerte aux intentions de Guy et Luc. Pour rendre grâce en vérité, pour arriver à pardonner, demandons à Dieu d'envoyer sa miséricorde, nous purifier et nous fortifier. Seigneur Jésus, prophète du royaume, prends pitié de nous. Ô Christ, maître de sagesse, prends pitié de nous. Seigneur, glorifié auprès du Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur les hommes d'Israël et dans son ardeur en fit périr un grand nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel et à trois reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait te glorifier d'être ton égal? Toi, qui as fait revenir un homme de la mort par la parole du Très-Haut, toi, qui as précipité des rois dans leur perte et jeté à bas de leur couche des hommes pleins de gloire, toi, qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb, des décrets de châtiment. Toi, qui as sacré des rois pour exercer la vengeance et des prophètes pour prendre la succession. Toi, qui fus emporté dans un tourbillon de feu par un char ou coursier de feu. Toi, qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur, car nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Et pendant toute sa vie, aucun chef ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir. Aucun événement n'a pu l'abattre. Et jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Disons ensemble le psaume. Amis du Seigneur,
qu'il soit votre joie. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Qu'il soit votre joie. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Animés par l'Esprit qui fait de nous des fils, nous appelons Dieu notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, dans l'Évangile d'hier, Jésus nous commentait les trois principales œuvres de la piété juive, l'aumône, la prière et le jeûne. Aujourd'hui, il nous développe le thème de la prière en nous indiquant l'esprit de la prière chrétienne, son contenu et ses exigences. Priez, nous dit Jésus, mais plus avec notre cœur, avec notre esprit, qu'à force de paroles que nous rabâchons comme des païens, c'est-à-dire de manière purement formelle. Ce passage de l'Évangile de Matthieu vient en conclusion de long enseignement de Jésus sur la prière
En l'écoutant, nous pensons spontanément à notre relation personnelle avec le Seigneur. Il nous demande de nous ajuster à la volonté de Dieu en essayant de vivre une relation vraie et juste avec lui. C'est ce que nous manifestons quand nous demandons dans le Notre Père que sa volonté se réalise en nous. Cette volonté doit être faite par chacun, chacune d'entre nous, en chacun, chacune d'entre nous, avec chacun, chacune d'entre nous. En effet, la prière a essentiellement pour but de nous faire épouser la volonté de Dieu. Et ce sont nos choix qui manifestent notre désir et notre engagement à vivre sa volonté. Et le premier de ses devoirs, c'est d'exercer la miséricorde envers nos frères et nos sœurs. Nous devons donc pardonner à notre prochain ses offenses, car Dieu nous pardonne tous nos péchés. Il compte sur chacun de nous pour donner au monde le témoignage de notre foi, de notre espérance et de notre charité. Dieu veut que nous soyons davantage comme des enfants plus humbles, plus reconnaissants dans notre prière. Laissons sa parole faire son chemin dans notre cœur. Approchons-nous vers lui en nous abandonnant en toute confiance et en toute chose entre ses mains. Au cours de cette Eucharistie, demandons à Dieu la force et la vigilance qui animait le cœur de Louis de Gonzague afin de pouvoir vivre en vrai enfant de Dieu, soucieux de reconnaître sa volonté et de le réaliser pleinement. Qu'il mette en nos cœurs assez d'amour pour pouvoir toujours pardonner comme lui et ainsi goûter la vie abondante qu'il nous promet. Amen.
Prions ensemble, nous demandons le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous prenions place à ton banquet, Seigneur, comme Saint-Louis de Gonzague, avec le vêtement des noces, afin que cette Eucharistie nous enrichisse de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te faire notre action de grâce toujours en tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et le grand mystère de la foi. Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère des Dieux, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous vendons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Après nous avoir nourris du pain des anges, Seigneur, donne-nous de te servir en menant une vie pure. À l'exemple de Saint-Louis que nous fêtons aujourd'hui, puissions-nous rester toujours dans l'action de grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.